Bonjour chers amis, combien faut-il donner de tzedaka? Ce problème existe tout au long des siècles, mais il est devenu urgent à cause du Covid qui cause beaucoup de pauvreté dans notre nation. Ce n'a pas été défini par des chiffres. Il faut donner à chacun, selon ses besoins et selon les possibilités du donneur. Alors nous avons fixé 10% des recettes du salaire, des bénéfices. Mais c'est une mesure moyenne. Les pauvres ne peuvent pas donner 10% de leur salaire et les riches peuvent donner beaucoup plus. Cependant, nous pouvons nous servir d'un principe. Comme on sait, la vie de l'homme a le pas sur celle de son prochain. Si deux personnes vont dans le désert avec une gourde, eh bien celui qui la boira et l'autre ne boira pas, parce que si les deux boivent, ils mourront les deux, et sinon, un vivra et l'autre, malheureusement, mourra. Il en est de même. Tes besoins, on le passe sur ceux du prochain, mais ton luxe n'a pas le pas sur les nécessités du prochain. Si tu as du pain, ben tu mangeras et l'autre n'en mangera pas, mais tu ne peux pas manger du pain avec de la confiture alors que ton prochain n'a même pas d'argent pour s'acheter du pain. Shalom.